Partez en seconde. Mais non, mais tu oui, nous dis ça à chaque fois. C'est un conseil que je donne. Ah bah pour l'ovale, de toute façon, faut pas partir en première, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et même la seconde, c'est pas conseillé, vous pouvez partir en 3. Oh oui! Ça y est, il a compris pourquoi. Ah bah, le calife, allez. Ah, la calife est... La calife. Ah, à la place du calife. Non, non. Cette blague doit être abrogée. Il y a Yvan Miller, c'est le sosie. Oh. Et je rappelle que nous sommes sur le terrain de la victoire, hein. Retour sur mes terres, j'ai envie de dire. Ça remonte, et je cross the line. Allez, salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de l'aventure iRacing. On retourne sur nos terres, c'est ici que nous avions vaincu la dernière fois le peloton avec beaucoup de chance et peu de talent. On change pas une équipe qui gagne, on est toujours avec Andy et Emric. Salut. Bonsoir. Et on est tous les trois normalement dans la même session. Non, pas Andy. Non, Andy n'est pas avec nous. Non, je sais, c'est Il pour est le... mauvais. Donc on va se qualifier de tour ici sur l'Oval de Charlotte, comme c'était le cas la dernière fois, de nuit. Et on va essayer de rééditer tout cela. Ah, check the flag, je pars 13ème. Normalement. Alors que j'ai le numéro 1, non, c'est pas ce délire. J'ai le numéro 4 personnellement. Alors j'ai changé mon skin, vous allez le voir en insert. Je suis repassé sur les bonnes références des années 90. Le skin, qui va bien. Alright, there's the chicken flag. Ah, donc j'avais qu'un tour, lol. Parce que j'avais bien utilisé le premier lors de ma première tentative et que j'avais eu un black flag. T'étais allé trop loin. J'étais allé trop loin. Bon bah tant pis, c'est pas grave. On partira 16ème, oh là là. One lap to green. Line up. Qui chante, c'est le nom du grand chien dans... C'est un chien. Dans un vieux dessin animé. C'est pas le bus magique. Le public. Ouais, c'est possible. Le public vient pendant les courses et pas pendant le qualif. Bravo le public, bravo. Bel esprit, bravo, on se croirait au curling. C'est comme ça en vrai, hein, tu regardes l'Indy 500, au qualif il y avait personne. C'est triste. Pourtant c'est deux jours. Peut-être c'est voilà. Ouais, c'est, habituellement c'est deux jours et là c'est deux nuits. Alors que je vois un truc très drôle, je vois le mode rain sur les... Où ça? Il ne roule pas sous la pluie, sur le côté gauche de la voiture. T'as le bouton, pas sur le volant, derrière le volant. Ah oui, tu sur le tableau de bord. Ouais, mode rain. Je crois que c'est juste pour assouplir un petit peu. J'espère qu'elle sent pas violette, la pluie. Je crois que sur la gauche, on a un monsieur, la numéro 13, qui est un sponsor de, je pense, de thon en boîte. C'est... Hellman ? Non, c'est pas lui. Je crois que c'est du thon en boîte, à vérifier. La blague, c'est Purple Rain. Purple Rain. Voilà. Les droits d'auteur, c'est les gars. On va partir parmi les derniers, Emric. On est 16 et 14e. Mais je me fais pas d'illusion quand c'est de l'ovale maintenant. Je me dis. Je prie, et si ça passe, bah. C'est la voiture numéro 3. Oui. Il y a des jolis livrets, c'est dommage. J'essaie de fouiller pendant quelques temps, quand j'ai un petit temps libre, fouiller un peu pour changer les livrets, pour qu'à chaque vidéo, pardon, vous ayez des livrets un petit peu différentes et apporter un petit peu de dynamisme, parce que je trouve que c'est assez important. Oui, on a vu la même chose. Attention au départ. Moi, j'ai vu dès qu'il a patron, j'ai plongé dessus, elle est magnifique. Moi, j'avais vu... Bah et ben voilà, le mec l'a fait. Elle est droite? Oui, elle est droite. C'est toi qui m'as fait ça dedans? Ouais, c'est moi. Là, ah c'est bah moi. Désolé, parce que le mec devant, il a fait de la... Et j'essaie de pas être trop loin de toi pour quand ça va lancer, mais regarde le trou, il laisse un gap. Bah... Get ready, going green. Regarde ça, oui, regarde il fait ça. Il fait exprès. Man, catch the field. Pour se permettre d'avoir un départ lancé, ce qui est totalement the interdit. In. En IndyCar. Et il a fait... Green. Ouh, ils sont dangereux, on va les laisser faire. Inside. C'est toi qui es derrière? Ouais, t'inquiète. Still there.
keep high. Still there. Hold your line. Je mets... Le mec me touche. Le mec m'a touché, j'hallucine. Le numéro 6, il est allé me toucher. Gros crash, gros crash. Non, c'est bon, je passe à travers. Le mec, il a touché, pompé en même temps, je passe à travers. Ah, ça tape devant, non, ça pop, ah, c'est chiant ça. La voiture numéro 6. Still there, hold your line. Clear. Parker. Le mec qui roule dans l'herbe et tout. Salut à tous, on est dernier. À peu de choses près, mais bon, on voit le peloton, c'est pas mal. Ouh. La ligne blanche était pas top. On va essayer de se concentrer, de tourner de manière logique. On a Emeric devant qui est à la bagarre avec, je crois, le numéro 6, qui est celui qui nous a tassé tout à l'heure au départ. On a été obligé de freiner, on a perdu beaucoup de temps. La voiture rouge qui est là-bas à gauche. Où ça tape devant? Slow car ahead, go low. Ah bah il a tapé derrière aussi, fais gaffe. La 6. Ah ça retape, encore une fois. Go low. Slow car up high. Slow car. Non mais non. Désolé. Go low. Oh my god, what the fuck? J'ai frôlé le mur! Je suis. Sir! Voilà. On se niquait, merci. T'es où? You're in the top 10. Voilà. Moi j'ai une voiture qui vibre beaucoup. Alors, mais j'étais parfait, j'évite tout le monde. J'ai perdu beaucoup de vitesse de pointe. J'étais obligé d'aller taper dans le rail parce qu'il y a une voiture qui a popé au dernier moment. Ah non, moi il me dit de ralentir et puis donc je ralentis, qu'est-ce qu'il me dit, et le mec, je vais sur la bande intérieure pour pas me faire taper, le mec il plonge à l'intérieur, il tape. Parfait. Il est plein de bourre, hein. Mec, pas de pitié. Keep digging. Outside. Clear. Outside. Still there. Hold your line. Clear outside. Don't stop. Up high. Go low. Lui il s'arrête, il répare, il repart, voilà, ça me dégoûte. Putain. Moi je suis revenu sur un mec, j'ai dû piler. Et lui dire après, c'était serré. Ah j'ai pilé. Oh, il tient pas sa ligne, c'est ouf. Still there, hold your line. Et comment keep low, clear outside. Putain, c'est ouf. Il a tapé? Il est où? Ah, il a disparu. J'ai entendu, je crois qu'il a tapé, je suis pas sûr. Monte comme on peut, 7ème. La voiture vibre beaucoup, hein. C'est très compliqué. Qui remonte. Essaye en tout cas. Enfin, qui essaie de remonter sur l'oval, pardon. Ah non, 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 moi je suis déjà dessus, moi. Ah, pardon. J'ai vu une voiture verte et noire au ralenti, je crois que c'était toi. Continue de gagner des places, on est P6. Devant, ça bouge beaucoup. On va sans doute. Attention, voiture au ralenti dans le bas de l'oval derrière. Essayer de quand même faire quelque chose de suffisant. J'ai une voiture derrière moi qui me revient.
Keaton qui est 11ème, mais qui semble beaucoup plus rapide puisqu'il a dû passer par les box. Moi je suis bloqué à 336. On est remonté 5ème, encore une position de gagné. T'as pas pris cher. On va laisser passer le garçon, ça sert à rien de se battre. Clear. Je vais essayer d'attraper son aspi. Je pense que c'est un peu peine perdue. Toujours 5ème. On va Emmerich sur la gauche. Ah non, toujours pas. Non, alors il y a un autre mec qui a la même déco que toi, je crois. Ah, nous sommes des branleurs, comme dirait Joshua sur le chat. Ah. Moi aussi, je vous aime. Impossible de garder la voiture devant, on a trop de dégâts. Là j'ai un volant qui vibre, regardez, j'ai un volant qui vibre énormément dans la ligne droite. Dans le banking ça va, c'est pas trop gênant, mais là ça devient très dangereux. Mec, qu'est-ce qu'il fait? Lui il fait des burns, fais gaffe. De l'autre côté il fait des burns en pleine ligne droite. Ouais, bah là j'ai aussi à me tracasser parce que j'ai un garçon en grosse difficulté. Sur qui on revient, je crois que c'est en plus une connexion assez compliquée. Il n'y a plus rien dans la ligne droite de derrière. Allez, toujours P5. Les pilotes qui sont encore au box. Je te reviens dessus comme une balle là. C'est toi? Non, mais je vois au chrono. Il défile quoi, tu fais. Attention, il y a 3 voitures dans la ligne droite arrière, ça ralentit fort. Ils reviennent au transpondeur, mais ils sont très lents. T'étais à 8-6 et je suis revenu à 7-9, 7-8. Attention, 7, crash 7, dans la ligne droite. Crash dans la ligne droite principale. Okay. Je ne peux pas l'éviter, c'est terminé. J'étais obligé de taper, j'ai soulagé, mais. Ça fout le sel quand t'as des goliots. Repars direct au stand et fais une. C'est de réparer ou je sais pas. Ah là, on pouvait pas l'éviter, il était arrêté en plein milieu de la ligne droite de départ arrivé. On est toujours 5ème pour le moment, ça tient. Allez, je sais pas pour combien de temps on en a. Ça a été assez rapide pour fixer la voiture. Yo, 5 car, why every time I see you, you're backwards, you're pointing into the wall. Spinning out, what's up? Oh, le mec il raconte sa vie. Non, il explique que la voiture numéro 5 elle est partout sur le circuit et que chaque fois qu'il la voit c'est soit pour partir en tête à queue ou faire. Allez, on remonte sur l'ovale, on est toujours P5 hein, malgré tout. Donc, techniquement on n'a pas perdu de position. Joshua, you got a mic? Attention, le quatrième est à l'abandon. Le quatrième est à l'abandon. On est retombé sixième, mais on va regagner notre cinquième place. Voiture neuve, pneus pas changés, je crois. Juste réparer les dégâts. Les talas dégâts, d'ailleurs. Merci à tous. Allez, ça rentre au box. Encore. On est aux deux tiers de l'épreuve, on est toujours cinquième. Allez, c'est pas mal. Un top 5, ce serait correct avec les gros faits de course et surtout ce qui s'est passé derrière. Mais on espère, c'est triste, mais qu'il y aura encore des soucis pour les gens devant. Et pourquoi pas accrocher un podium. Ça va très vite, vous avez vu. Moi, j'étais dans la ligne droite, j'ai été taper le mur. J'ai pas pu éviter quelqu'un. Je suis de retour à ma vitesse optimale, je suis à 345 km/h. Oh, on se touche en ligne droite, quoi. C'est un truc de fou. 5ème devant moi, j'ai le 7ème. Je ne sais pas où est l'autre. Le 4ème, il est là. C'est Dylan Christie.
toujours 5ème. Ça bouge, hein, ça bouge en haut du classement. Attention, voiture arrêtée à la sortie du 2. C'est terminé. Je sais pas si c'était quelqu'un, je crois que c'était le numéro 11 qui est en gris sur mon classement. Hop, le mur était pas loin là. I'm wearing out your tires, Daniel. Oh là là, les trois premiers ils zigzag et tout. Ah, s'il y a Big One, on peut gagner des places. Hein. Oh non, ils ont tapé. Allez. Les trois premiers ont tapé. Les trois premiers. Oui. Ça veut dire que... Quel virage, Emeric? Ligne droite. Ok, pour savoir pas se faire repiger deux fois. Là, on a peut-être quelque chose à jouer. Le troisième est out. Semble-t-il, il est en rouge sur le classement. C'est terminé. Le deuxième également. On gagne deux positions, on est P3. You've got five laps to go. Cinq tours. On est toujours cinquième parce qu'ils avaient des tours d'avance, mais à mon avis en 5 tours on peut rattraper notre retard. Il y a plus que 2 tours. Ah, il y a un petit souci au spotter. Ah oui. Ah, est-ce qu'on va avoir 2 tours récupérés rapidement avec le temps qu'on a passé au box? Ça me semble difficile à calculer. Le verdict du transpondeur, toujours 5ème. Hein. Toujours 5ème pour le moment. Je pense qu'à la fin de ce tour, on peut peut-être récupérer quelque chose. Drapeau blanc, à mon avis, ça ne sera pas suffisant pour aller chercher la 3ème place malgré le crash des hommes de tête. Ah, oh, ils ont tapé, mais effectivement. Ça a été je l'avais dit, ils zigzaguaient depuis un petit moment. Donc, White flag, drapeau blanc. Ça ne sera pas suffisant, je pense. Plus grand monde d'ailleurs hein, sur l'oval. Allez, red flag. 4 secondes d'Alexander qui est 11ème. Voilà, le white flag, le check red flag maintenant pour nous. Ben 9ème. Et ben on est P3. Reclassé. All right, there's the checkered flag. Par pitié, ne me touchez pas. Good race, Daniel. Awesome race. Good race, awesome guys. Race. 05. Please never play this game again, Joshua. Parce qu'on demande au numéro 5 de ne plus jamais jouer à ce jeu. C'était qui le numéro 5? C'est le mec qui fait... Oh, c'était moi, c'est... Bah c'est le numéro 6 moi qui en début de course m'a mis un petit taquet. Ah bah c'est lui qui m'a envoyé en l'air. Ok, the race is over, bring it on in. Bon, P9 en commençant P8, bon je perds pas grand chose. Bon et bien voilà. On s'en sort plutôt bien dans cette épreuve avec une 3ème place. J'espère que vous avez apprécié le choix du skin. Moi, ça m'a rappelé pas mal de bons souvenirs. Dommage qu'on n'ait pas eu le numéro 5, d'ailleurs. Il y a du pick-up, si vous voulez, en oval. À 1h30, dans 5 minutes. Et bien voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle course dans l'aventure iRacing. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle course. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à lâcher un petit pouce bleu. Mais on a quand même réussi à aller taper le mur, réparer, repartir, faire un podium. La preuve que ces courses sont bien random. Allez, à la prochaine. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. On se donne rendez-vous très vite. Et d'ici là, bon amusement en piste. Salut !